démagogie. Je voulais répondre avec Bibame. Mon église dit machette. Bon, l'homme dit l'église ça, c'est langage ordinaire. Parce que c'est l'église, nous dit, bouche moi. Même mon bagage en parenthèse, il dit c'est l'église. Mon âme. Hein? Et puis pour le bon pasteur qui a parlé, et puis pour le virer tourner à elle, et puis il prend machine, il vire la lavelle. Non, ça n'est pas possible. Au contraire. Au contraire. Est-ce que c'est ça, frère? Au contraire. Au contraire. Depuis jeudi, au contraire. Oh, oh, mes amis. Oh, 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 oh. Ça va passer comme ça. Eh bien, au contraire, il faut que nous résoudre le problème ça. Est-ce que tu es d'accord? Nous avons résoudre le problème ça une fois pour toutes. Oui, c'est comme ça. C'est dans la Bible, nous est là, Luc chapitre 22, verset 36. Pour aller dans Luc 22, pour faire un soi-disant pour un groupe de monde baptisé l'église, et pour un groupe de monde où dit c'est l'église et pour armer avec manchette. Chaque monde a une colline dans la main, a dansé, a fait démagogie, a fait macaque. En comprenant, Jésus te dit, monde, prends épée. Vendre son procédé, achète ton épée. Et Monsieur Paul, monsieur directeur marché ça, je vais répondre non. Parce que Amel a répondu non. Et là, je vais répondre non. Sinon, tu as lui-même fait un débat intellectuel, théologique ou intellectuel, je ne vais pas dire spirituel, parce que nous ne pouvons pas dire spirituel là. Nous ne pouvons pas dire spirituel là. Moi, ça, je ne vais pas connaître. Mais si nous avons fait un débat pour radio, télévision là, pour montrer nos mentes, nous théologiquement, intellectuel. Vous entendez? Amen. Nous disposons. Côté nous parler avec la métier manchette là. La métier manchette là. Qui compte jouer ça? Commandant la métier manchette là, bon mon petit lumière. Oui. Jésus était là, oui. Commandant la métier manchette, banon lumière. Maître évangile a dit, ou dit maître évangile a dit pour épée. Ou même maître évangile a dit, deux a suffi. Côté de bras là avec 15, 20, 30, 40 là. Toute l'église qu'on a chanté là. Commandant la métier manchette, mais Jésus te dit, deux a suffi. Côté de bras là avec la métier manchette ça. Fait lumière. Si c'est pas Jésus n'a pas fait vrai, bonne blou fait, raquité. Rasti manchette. Maintenant, si la métier manchette, t'as fait vraie interprétation, oui. Interprétation adaptée d'aujourd'hui par révolution. C'est pas manchette pour ta gain, épée. Parce que dans l'époque, Jésus t'a parlé, il n'y a pas de gain à ma feu. Pas de gain M1, pas de gain M16, pas de gain Galil, pas de gain 9 mm, pas de gain Baïsaou du tout. C'était épée que tu as gagné comme plus gros âme avec les armes défensives. Épée a c'était âme offensive. Et puis avec les autres armées qui étaient constituées comme armes défensives pour défendre. Cuirasse, bouclier, etc., etc. Donc maintenant, si monsieur, tu as fait vraie interprétation du texte, ce n'est pas une manchette pour mon gagner, c'est chaque pour pasteur qui a un gros manche Galil là-même. Pour chaque
on avons galil nan men on. Ou bien 12 jours dans main ou chaque nègre avec 12 jours dans main ou kounya là et kounya là ou t'as parallèle à bandi ou c'est ça pour te gagner donc si aller dans ti manchette dans niveau évolution ça ti manchette pas servi non. Il y a mouru pas paquette. N'a pas mouru pas paquette parce que n'est qu'avec Galila, la brette de loin, il a eu tout petit manchette à terre. Ou très mal à mes petits manchettes. Donc, je l'ai dit, commandant, la mes petits manchettes, ça n'a pas servi, t'entends? Soit par mes fidèles, achetez au moins, bah, chacun 12. On 12. Au moins, parce qu'on voulait aller pour grand-messie. Mais, n'est qu'avec Galil dans la main, mon cher, tu n'as pas pu arriver sur lui. Tu n'as pas pu arriver sur lui. Est-ce que tu as pu bien là? Amen. Là, je ne peux pas passer mon clé pour tout le monde là.